Bon, j'aimerais présenter aujourd'hui les nouveaux traits caractéristiques de la citoyenneté politique à l'âge de l'hypermodernité. Les sociétés contemporaines sont traversées aujourd'hui par une nouvelle révolution individualiste et qui se manifeste dans de très nombreux secteurs, en réalité partout, dans la vie familiale, la vie religieuse, les loisirs, la consommation, mais aussi dans la vie politique. Et dans la vie politique, nous voyons de nouveaux comportements, de nouvelles attentes caractéristiques de notre époque et de l'individualisme. Alors, nous voyons, c'est une époque marquée par la fin des croyances dans les grandes idéologies. Nous voyons également la montée d'un citoyen beaucoup plus volatile, indépendant des partis politiques et des classes sociales. Et puis nous voyons aussi le grand phénomène contemporain qui est la défiance des citoyens envers les institutions politiques, envers les partis, et qui pose de nouveaux grands problèmes, des grands défis aux démocraties libérales. Alors, en effet, cette défiance est un des facteurs qui rend possible aujourd'hui le développement du populisme dans diverses parties du monde. C'est le nouveau défi des démocraties. Alors, si vous voulez, d'un côté, on peut être optimiste parce que il y a beaucoup plus de pays démocratiques qu'autrefois. La démocratie s'est installée sur la planète pour beaucoup plus de monde. Et en même temps, les nuages noirs montent avec ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, en Turquie, en Russie. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes dans une période qui ressemble à l'entre-deux-guerres, comme dans les années 30, si vous voulez, qui a abouti à la faillite des démocraties, ou bien est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est autre chose. Je suis plutôt optimiste. Je pense que les démocraties ont plus de résistance que dans l'entre-deux-guerres. Et en réalité, nous allons devoir changer un certain nombre de choses qui ont rendu possible le populisme. Parce que le populisme n'est pas l'enfant d'Internet, comme on le dit. Le populisme, c'est le résultat de la montée des insécurités dans nos sociétés. Insécurité économique et sociale, insécurité liée à la violence quotidienne et insécurité liée au flux de migration. Pour rendre victorieuses les démocraties, nous allons devoir répondre à ce grand problème de l'individualisme inquiet, de l'individualisme qui est porté par le sentiment d'insécurité.
Bon, je remercie chaleureusement la Fondation OSD de m'avoir invité à Buenos Aires. C'est une ville que j'ai eu la chance de venir, dans laquelle j'ai eu la chance de venir souvent. J'adore venir à Buenos Aires. Et la Fondation m'a invité de manière très chaleureuse, dans des conditions parfaites. Et donc, je tiens à remercier les organisateurs de leur accueil et de leur hospitalité. Gracias, Fondación OSDE.